Pierre et Elena très proches. Le sous-entendu de Lucie Bernardoni enflamme les réseaux sociaux. Pierre et Elena très proches. Le sous-entendu de Lucie Bernardoni enflamme les réseaux sociaux. Alors que les élèves répétaient leur chanson du prime, Lucie Bernardoni a interpellé Pierre et Elena, qui se montraient quelque peu dissipés. La répétitrice de la Star Academy n'a pas manqué de leur faire remarquer qu'elle n'était pas née de la dernière pluie. Le destin fait parfois très bien les choses. Il y a 9 ans, Lucie Bernardoni faisait son entrée au château de Damarilelis, aux côtés de ses camarades de promo. Parmi eux, Grégory Lemarchal, qui a marqué à jamais l'histoire de la Star Academy par son incroyable voix et les nombreux moments de grâce qu'elle a offert aux téléspectateurs. Le chanteur, décédé en 2007 des suites de la mucoviscidose, avait vécu une belle histoire d'amour avec Lucie Bernardoni, comme elle l'avait elle-même révélé en juillet dernier, dans le podcast Avec ou sans sucre. Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que le jour où Grégory est mort, une partie de moi est morte aussi. Ce n'était pas mon ami, je l'aimais. Je ne l'ai jamais dit. J'en ai marre de mentir tout le temps. On n'est pas resté longtemps ensemble, mais ça a été magnifique, c'était mon grand amour, avait-elle confié. Lucie Bernardoni fait un sous-entendu à Pierre et Elena. Une romance qu'avait évoqué Mathieu Johan sur le plateau de Jordan Deluxe, confirmant les propos de Lucie. Ils ont vécu cette histoire très discrètement, on était très peu à le savoir, ce n'est pas un secret pour la famille, pour les très proches. Nous, on savait. Ça a duré plusieurs mois et c'était très très fort pour les deux, je peux vous le dire, avait-il déclaré, avant que l'histoire avait commencé entre les murs du château et s'était poursuivie à l'extérieur. Très proches depuis quelques semaines, Pierre et Elena, deux candidats de la saison actuelle de la Star Academy, ont eu bien du mal, lors des répétitions avec Lucie, à garder leur sérieux. Très dissipés et plus complices que jamais, les deux élèves ont été interpellés par la répétitrice, qui n'a pas manqué de leur faire un sous-entendu qu'ont immédiatement relevé les internautes abonnés au live. J'ai fait ça avant vous, et on était bien plus discrets, a-t-elle lancé, en faisant référence à son intense complicité avec Grégory Lemarchal. Une remarque qui a fait bondir la toile.